c'est un projet qui est extrêmement intéressant, d'une part, parce qu'il fait intervenir différents partenaires. Il y a toute une série de, il y a des industriels, il y a des académiciens, etc. Donc ça fait très interdisciplinaire, donc avec des connaissances totalement différentes. Donc on peut approcher un problème, l'hypothèse qui était posée au départ, avec différentes approches totalement différentes, même jusqu'à aller jusqu'au marché, l'étude du marché qui amènera à la production finale. Alors pour moi, ce qui a été nouveau, c'est ce principe de co-création, en fait. Et poser une question sur les drèches, dans ces cas-là, les pommes, hein, particulièrement, qui avaient un besoin de transformer et avoir une valeur ajoutée. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire du vinaigre pour différentes applications. Mais en réalité, évidemment, ce n'est pas une innovation. L'innovation serait, si on ferait, on pourrait faire des fermentations au niveau des drèches directement. À partir de là, ça serait une fermentation solide et non pas une fermentation liquide comme on a fait jusqu'à maintenant. Et on obtiendrait d'autres produits qui seraient en plus que du vinaigre, quoi, en fait. Donc ça serait, il y a des protéines, il y a des vitamines qui pourraient s'obtenir dans l'obtention des drèches pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale, etc. Donc, ça serait plus innovant, disons. Mais évidemment que produire du vinaigre et les applications, on les connaît depuis l'Antiquité. En fait, la collaboration entre les différents personnages et la connaissance humaine de toutes ces personnes qui rentrent, les partenaires, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, les contacts humains, finalement, j'ai fait beaucoup de connaissances que je ne connaissais pas. Et malgré qu'on a déjà eu un projet européen il y a quelques années en arrière, mais avec une approche totalement différente de celle-là. Quoi, en fait. Donc justement, c'est les fermentations différentes. Quoi, en fait. Ouais. Commencer par une fermentation type solide, donc non pas une fermentation liquide, fermentation des drèches. Comme ça, on pourrait utiliser totalement les drèches, donc on n'aurait pas de produit final. Des produits encore, parce qu'on fait du vinaigre, mais le drèche reste quand même. Donc on a encore un produit qu'il faut éliminer.